de gens se plaindre que les prêtres ne sont pas assez nombreux. En effet, je pêche continuellement. Et j'avoue ne pas trouver de prêtres jeunes et avenants à qui me confesser. Oh, mes besoins spirituels me dévorent de l'intérieur. Et sans spiritualité, je passe au spiritueux. Je veux dédier la prochaine chanson à mon ancien petit copain Reggie, qui m'a quitté pour s'engager dans l'armée. Selon lui, il sera mieux traité là-bas. Sérieux Reggie, tu vas me reprocher longtemps cette journée de shopping? Où que tu sois, j'espère que tu ne te feras pas trop mordre par les alligators. Alerte, Presidente! Il a reçu un message de traducteur du jeu. Il refuse de traduire, je cite, « les clichés grotesques sur la prétendue lâcheté militaire de leur pays ». Ils nous ont envoyé 2 billets tarifs étudiants pour la galerie des batailles, une minimap menant à Verdun et une fan art du maréchal de Lattre. On devrait la jouer diplomate avec eux. Ils ont fait leur service au 152e RI. Je n'aime pas cette Adriana, Presidente. Elle n'est jamais gentille avec moi.
À votre service.
Presidente. Mais il pourrait être bien pire. Ok, il pourrait aussi faire mieux. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Et pas beaucoup moins bien. Notre mentor, Léon Kane, m'a appris qu'il n'y a rien de tel que de frapper très fort pour résoudre un conflit militaire.
Je suis furieux. Je n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver. Bonjour, chers auditeurs. Je veux que vous vous joigniez à moi pour souhaiter bonne chance à mon petit copain Raoul et à ses camarades qui vont lancer une attaque surprise contre notre régime totalitaire. Je suis tout cœur avec toi, Raoul. Présidente, nous sommes entourés d'idiots. Ils sont partout. Nous devons déclarer la guerre à l'idiotie et éradiquer cette menace. Quelle formidable invention, Présidente! L'électricité! De la foudre en tube, si vous préférez. Vous pouvez même créer la vôtre en frottant un ballon de baudruche. Ensuite, collez-le sur quelqu'un. Présidente, les Tropiciens attendent les élections l'année prochaine. Ils veulent afficher leur amour éternel et leur respect pour vous. Leurs mots sont un peu différents, mais c'est ce qu'ils veulent dire. Un roturier est venu frapper à ma porte hier. Il voulait me parler de Jésus-Christ. Bon, les gars, fini la rigolade. Tout le monde s'est bien amusé. Il y avait des choses à dire, des exclamations sympathiques. Si vous n'êtes pas mort, en prison, ou les deux, venez au Jolly Roger pour enterrer la hache de guerre.